l'imam Diko, bonjour. Bonjour, monsieur. Vous êtes ancien président du Haut Conseil islamique et aujourd'hui, vous êtes au cœur de l'actualité malienne. D'abord, pourquoi autour de vous, il y a tout un mythe, des polémiques, on vous attribue plein de choses. Où en est-on en réalité? Comment expliquez-vous cette réalité? Ben écoutez, c'est difficile à expliquer, mais la question, certainement, il faut la poser à ceux qui me l'attribuent. Moi, je suis effectivement l'ancien président du Haut Conseil islamique du Mali. Aujourd'hui, je suis là, j'ai un centre qui doit œuvrer dans le cadre de la paix et le vivre ensemble. J'essaie vraiment de jouer ma partition parce qu'avant d'être imam, je suis d'abord un citoyen malien. Et le sort de mon pays me préoccupe. Et ce qui m'attribue beaucoup de choses, c'est en réalité eux les responsables de cette situation que nous vivons. Puisqu'ils n'ont plus de réponse à donner, et il faut trouver des poux dans la tête des gens ici et là. Je crois que c'est des détails et c'est une façon aussi de nous distraire. Et moi, ça ne me distrait pas. Oui. Impasse, blocage politique, crise. Le Mali semble aujourd'hui véritablement dans une situation que les Maliens ne comprennent pas. C'est que, est-ce qu'aujourd'hui, vous avez le sentiment que le pays est sur le bon chemin pour pouvoir résoudre ses problèmes? Pour le moment, le bon chemin, c'est peut-être tout c'est trop dur. Nous, il ne faut pas se voiler la face. Nous sommes aujourd'hui dans une situation d'impasse, ce qui est réel, parce que ceux qui ont mis le pays dans cette situation, qui doivent, eux, chercher la solution, ne se remettent jamais en cause. C'est l'élite politique qui est en faillite et la faillite de l'État s'explique par la faillite. Mais ils ne veulent jamais, jamais, jamais se remettre en cause. Ils préfèrent chercher des boucs émissaires ici et là. Et je crois que tant qu'on ne veut pas voir la réalité en face de nous et chercher une solution et savoir que nous avons certainement trébuché quelque part ou peut-être même fauté, mais il n'est pas grave de trébucher ou fauter. Ce qui est grave, c'est de ne pas chercher la solution, c'est de ne pas reconnaître ses erreurs. Et c'est ce que le Mali est en train de vivre aujourd'hui. Cette incapacité des hommes politiques de trouver des solutions, est-ce qu'aujourd'hui la prise en main par les militaires du pays est une solution nécessaire ou est-ce qu'il faut revenir d'une façon ferme sur une dimension institutionnelle et constitutionnelle conforme à l'état d'esprit de la législation et de la loi? Oui, mais monsieur, nous sommes une république, on ne peut pas l'être si on ne revient pas sur ses fondamentaux. Mais seulement nous avons un problème aujourd'hui, c'est que c'est les fondamentaux même dans notre pays qui sont mis en cause aujourd'hui. Les militaires ne sont pas certes la solution, mais que faut-il faire dans un pays où nous sommes aujourd'hui dans une impasse totale? Il faudrait quand même que d'autres prennent le pays en main d'une manière ou d'une autre. Mais ce n'est pas la solution et ce n'est pas l'idéal. Oui, mais on a l'impression qu'on fait du surplace. C'est-à-dire par où commencer? C'est qu'il faut un point d'entrée. Est-ce que les élections qui vont avoir lieu en février prochain, en 2022, vont être une solution pour le Mali? Ben, en principe, ça doit être un début de solution. Mais le problème du Mali n'est pas que des élections. Les élections, on en a fait de tout le temps. On a fait même de très bonnes élections en un moment, mais ça n'a pas résolu le problème parce qu'on occulte le véritable problème. On fait du fuite en avant et ça ne marchera pas. Malheureusement, la communauté internationale ne prend pas le temps de nous comprendre et on nous juge sur des préjugés, sur des choses, on calque notre situation sur d'autres pays. Nous sommes aujourd'hui face à une situation où c'est la nation et l'existence de la nation même qui est en cause. Il y a un effritement de cette nation qui fait qu'aujourd'hui, les communautés, les gens qui vivent ensemble sont en train de s'entretenir. Il faudra s'arrêter à un moment donné pour chercher la solution et diagnostiquer le mal en profondeur. Ça n'a jamais été le cas. On fait du semblant. Et faire semblant, ce n'est jamais bien faire. Mais comment nommer les maux du pays? C'est-à-dire que
comment aujourd'hui définir ces blocages terribles qui coûtent très cher, on semble s'installer dans une forme d'attente permanente. Ben écoutez, le comment, cette question que tout le monde se pose. Nous, moi précisément, tu suis un imam, dès qu'on parle, parce qu'il faut parler, nous sommes d'abord des citoyens, le sort du pays, ça nous intéresse tous, mais on vous qualifie de tout, à commencer par nos frères et amis occidentaux, mais c'est un imam, qu'est-ce qu'il a eu à faire dans cette affaire-là? Pourquoi il en parle? Pourquoi il se mêle? Quel est son agenda? Alors, tout le monde est arrêté. On ne sait pas qu'est-ce qu'il faut faire. Aujourd'hui, le problème n'est pas imam ou militaire ou politique. Le problème, c'est l'existence même du Mali qui est là. Et aujourd'hui, c'est ce que je dis à tout le monde. C'est ce qui m'a valu de faire ce manifeste-là pour demander aux Maliens de se regrouper autour d'un pacte républicain. Il faut qu'on se donne la main. Le fait qu'on soit imam ne veut pas vous disqualifier pour dire que vous n'êtes pas un citoyen qui a le bon sens, qui doit réfléchir pour le sort de votre pays. Moi, je n'ai pas cherché à gouverner le pays, je n'ai pas cherché à être élu. Tout simplement, je suis là. La démocratie, la lutte a commencé sous mes yeux. Le parcours démocratique de notre pays, je l'ai traversé jusqu'à aujourd'hui. Donc, je suis quand même quelqu'un qui sait aujourd'hui les mots que le Mali est en train de subir, qui vient en réalité de l'élite. Aujourd'hui, l'élite politique, l'élite administrative, l'élite même religieuse, le Mali, il y a un problème. Et il faut pas se voiler la face. Si nous-mêmes, Maliens, on ne se met pas ensemble, et faire semblant, et puis donner l'impression que c'est les autres qui doivent venir nous sortir de cette situation, c'est ça l'erreur. Et la classe politique, je ne les charge pas, je ne les accuse pas, je dis quelque chose qui est un constat qui est là aujourd'hui. Et le fait de ne pas vouloir vraiment parler avec les gens, dialoguer avec les gens, et chercher les solutions avec d'autres, mais le constat général qui a créé cette situation de crise et de divorce entre l'élite et le reste de la population. C'est seulement que les gens ont compris que ceux qui sont là, qui doivent servir de locomotive pour nous tirer, mais ils sont là pour d'autres considérations. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, même quand ils parlent aux gens, les gens n'écoutent pas. Quand on va aux élections, le taux de participation est minime. Il faut nécessairement que d'autres acteurs se mêlent pour que le taux soit au moins acceptable. Donc, il faut faire des élections. On n'a pas le choix. Les élections doivent se faire. Mais est-ce que les élections à elles seules aujourd'hui seraient la solution? Justement, c'est-à-dire que aujourd'hui, comment vous qui êtes imam et qui a une vocation particulière, c'est pas vous n'êtes pas un homme politique, mais comment vous informez sur la situation malienne alors que le pays semble s'arrêter aux limites de Bamako? Est-ce que vous sillonnez le pays? Ben c'est vrai, je suis au regret de le constater moi-même qu'aujourd'hui, la situation du pays, le taux se resserre contre nous, le pays s'effrite du jour en jour, c'est une réalité. Et voir que les gens aujourd'hui ne sont pas conscients de cet effet, ça me fait très mal. Je vais vous dire un secret. Je viens d'avoir un entretien avec le cardinal de Bamako tout de suite. Dans 2 heures de temps, je vais rencontrer le pasteur, le président de l'église protestante et puis d'autres chefs religieux pour essayer de voir comment est-ce qu'il faut appeler les Maliens et pour que nous puissions vraiment avoir un sursaut et parler avec les acteurs politiques, les forces vives qui sont là pour que les gens se mettent ensemble, au moins pour que on ne donne pas l'impression que le sort de notre pays ne nous préoccupe pas. Mais comme le microcosme politique n'est pas susceptible d'être changé, est-ce que ces mêmes acteurs qui vont se représenter aux élections vont reproduire les mêmes défauts qu'on a vus il y a quelque temps? C'est-à-dire qu'on est dans les mêmes erreurs systémiques liées à cette situation malienne?
Bon, malheureusement, nous avons comme l'impression que tout ce qu'on est en train de préparer, c'est déjà vu, et que c'est les mêmes choses qui vont encore venir, parce que on n'a jamais voulu aller en profondeur de notre situation. Et je l'ai dit, notre crise aujourd'hui, on fait comme si c'est une crise qui intéresse les autres, c'est les autres qui doivent venir faire la guerre à notre place, c'est eux qui doivent réfléchir pour nous. Et nous avons cessé d'avoir une autonomie de pensée. Nous sommes des hommes dotés de la raison. Nous avons un problème aujourd'hui dans notre pays. Qu'on ait le courage vraiment de nous mettre ensemble pour réfléchir pour nous-mêmes. Moi, je pense que le génie malien est un génie extrêmement fort et que si on l'interroge, il nous donnera la voie pour sortir de cette situation. Je l'ai dit depuis au début. Bon, le fait que je suis imam fait aujourd'hui que les gens ne veulent pas. Ils préfèrent se mettre derrière l'imam pour faire tomber un régime, mais se mettre derrière l'imam pour construire un pays, ils pensent que ça va les diminuer. Bon, c'est comme ça. Et moi, c'est pour cela que je leur ai dit, bon, moi je retourne dans ma mosquée. Hein, puisque cette mosquée ne se trouve pas ailleurs, elle est au Mali. J'ai vu aussi la chose. Je suis un homme aussi qui vient du nord du Mali. Mes parents, mes proches, là où je suis né, je sais aujourd'hui dans quelles conditions les gens y vivent. Je ne peux pas rester insensible à ces problèmes. Et mais dès que je parle, les médias occidentaux, ailleurs, tout le monde se met à parler, l'imam, 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 et on me qualifie de tout. Bon, quand je ferme la bouche, je ne dis rien. Mais alors, l'imam, pourquoi il ne dit plus rien? Où est-il passé? Pourquoi il ne cherche pas la solution? Alors, moi, finalement, je ne sais pas ce qu'il faut faire, hein, sinon que de m'intéresser quand même à mon pays, quel que soit ce que les uns et les autres vont dire. Je pense aujourd'hui, le devoir citoyen m'impose vraiment de chercher ici et là des solutions minimales soient-elles. Depuis 2013, le pays vit une situation absolument paradoxale. Vous avez la présence militaire de plusieurs forces, la MINUSMA, Barkhane, G5 Sahel. Le pays semble se dessaisir de son destin par la faute des Maliens eux-mêmes. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui justifie cette incapacité à se prendre en main? Mais l'incapacité à se prendre en main, c'est ça que je dis. À partir du moment où nous avons comme l'impression que les autres, c'est eux qui doivent faire notre pays à notre place, et que s'il y a quelque chose, la faute incombe aux autres, on accuse X ou Y pour dire que c'est eux les fautifs. Non, je pense, non, non, non. Nous avons à un moment donné trébuché, peut-être voire même fauté. Il faut qu'on fasse notre mea culpa. Qu'on accepte que nous avons commis des erreurs dans notre parcours démocratique et il ne faut pas avoir honte de cela. Nous devrons aujourd'hui nous mettre ensemble pour voir les véritables maux qui minent notre pays. Aujourd'hui, nous avons une situation difficile et cette situation, ce n'est pas les autres, je l'ai dit, ce n'est ni l'aménagement, ni la France, ni la Russie, ni ailleurs qui doivent venir faire le Mali à notre place. Il faut nécessairement que le Malien se mette ensemble pour dire voilà, là où ça n'a pas marché, et il faut chercher une solution. Nous ne pouvons pas ne pas trouver de solution. Nous sommes quand même des hommes dotés de la raison. Ceux qui sont là sur le terrain, je l'ai dit à un moment donné, pour dire que c'est des hommes comme nous, ce n'est pas des extraterrestres. Si vraiment, il faut leur parler pour qu'on trouve une solution et que le peuple se mette ensemble comme un seul homme. Nous allons leur parler s'ils ne veulent pas entendre raison. Le peuple dans son ensemble va résister. C'est nous qui pouvons résister parce qu'il s'agit de notre guerre. Ce n'est pas la guerre de celui qui est ailleurs. Et tant qu'on ne met pas ça dans la tête des gens, on ne trouvera pas de solution. Le feu semble comme un feu de brise, de brousse qui est en train d'avancer et dévaster le pays. Aujourd'hui, les groupes djihadistes sont en train de tuer et font des massacres de masse. Vous qui êtes un homme de religion, que faut-il faire devant cette dérive sectaire de l'islam? Mais c'est une dérive regrettable parce que personne ne doit ôter la vie à quelqu'un au motif que tu es en train de parler de religion. Non.
La religion est venue pour préserver la vie, ce n'est pas pour ôter la vie des gens. C'est clair, mais nous avons affaire à des jeunes gens qui n'ont ni l'expérience, ni l'intelligence, ni le savoir. Ils ont besoin qu'on leur parle pour leur dire, vous êtes en train de faire de la dérive. Mais si les uns et les autres refusent même qu'on fasse une tentative de parler, sommes allés jusqu'à dire, parler ne veut pas dire aller parler à ceux qui ont les armes seulement. Mais Parler, ça encore veut dire aussi. faut-il distinguer les niveaux de djihadistes? Il y a des djihadistes radicaux, complètement intransigeants. Et comment distinguer les bons et les mauvais? On peut distinguer notre situation à une situation particulière. Nous avons des spécificités qui ne se trouvent pas ailleurs. C'est-à-dire. Aujourd'hui, quand vous prenez le Delta central, vous avez des djihadistes qui ont des parents sur place, qui ont des responsables, des gens qui le respectent, qui sont les chefs communautaires, les chefs religieux, les chefs coutumiers, qui, en réalité, que ces gens-là sont en train d'instrumentaliser. En légitimant ces gens-là, en rendant la légitimité à ces légitimités traditionnelles, ça fait aujourd'hui que ça devient leur allié. Et moi, je dis, c'est ça qui a été notre erreur. C'est d'abandonner les légitimités traditionnelles, les pouvoirs coutumiers, les chefs religieux, les abandonner au sort de ces gens-là qui est en train de les utiliser aujourd'hui. Parce que ceux qui ils prennent les villages et autres là. Ce n'est pas les djihadistes qui administrent là-bas. Non, ils prennent ça, mais ils confient ça aux légitimités traditionnelles et ils se mettent à l'écart. Et ça, il ne faut pas accepter que ces gens-là nous reprennent les légitimités traditionnelles pour en faire des alliés. Il faut qu'on parle avec nos légitimités, nos chefs coutumiers, nos chefs traditionnels, parce que c'est dans cet environnement que ces gens-là, ils recrutent. C'est quand ils ont la sympathie de ces gens-là, ils se sentiront toujours forts et légitimes. Il ne faut pas leur donner ça. Il faut parler avec ces légitimités. Il faut reprendre ces légitimités au compte de l'État. Voilà ce que nous avons dit qui n'a pas été compris jusqu'à aujourd'hui. Mais vous semblez bien confirmer que l'État n'est plus présent, et c'est que aujourd'hui ce vide est rempli par des gens qui font tout et font régner la loi. Mais ça aussi, c'est un vrai problème. C'est que comment occuper le terrain avec les idées que vous défendez? Mais en réalité, on peut occuper le terrain parce que je l'ai dit, ces gens-là, eux-mêmes physiquement, ne sont pas sur le terrain. Dès qu'ils occupent, ils arrivent vraiment à trouver un village dans lequel il n'y a pas l'administration, il n'y a pas le trace de l'État, ils réinvestissent là-bas, mais en confiant la gestion aux légitimités traditionnelles. Et ces légitimités qui, souvent, ont été lésés par l'administration ou en tout cas frustrés, ils réhabilitent ces légitimités pour leur confier la gestion de leur terroir, ça leur fait des alliés. Et maintenant, c'est ça qu'il faut réinvestir pour dire à ces légitimités que l'avenir n'est pas dans ça. Ils peuvent aujourd'hui être des alliés à eux, mais à long terme, ça va nous conduire dans une situation qui est une situation sans lendemain. Mais ils ont besoin de gens pour l'énergie. Si on ne Mais parle pas avec eux. êtes-vous optimiste dans une situation où l'urgence des solutions à trouver avec cette exigence que ces solutions prennent du temps? Vous le dites, pour occuper le terrain, il faut peut-être des années. Donc comment concilier entre cette urgence et les solutions qui demandent du temps pour se mettre en place? C'est quand même un dilemme, non? Ben écoutez, c'est vrai que les solutions, il faut d'abord les essayer. Nous sommes sûrs que si aujourd'hui l'État ou les partenaires ou les autres nous font confiance, nous pouvons aujourd'hui et certainement parler avec des gens qui peuvent influer dans ces choses-là pour au moins avoir de la calmie. Oui. Nous, on ne peut pas prétendre que dès qu'on va parler ou bien on va essayer, ça va finir. Non, mais on peut trouver vraiment un mécanisme qui nous permet vraiment d'apaiser, de trouver de la calmie, et pour au moins que l'État souffle un peu.
parce que ce harcèlement qui existe aujourd'hui avec l'armée qui est harcelée tout le temps, ça finit par céder et ça, ce n'est pas une bonne chose, ça n'annonce pas de bons lendemains. La France est venue depuis 2013 secourir la situation. Aujourd'hui, elle est totalement rejetée et contestée. C'est que comment aujourd'hui trouver le bon milieu entre cette présence et les exigences des Maliens? Oui, la France est un pays qui connaît le Mali, qui a des liens historiques, stratégiques avec le Mali que personne ne peut nier. Il faut avoir de la myopie politique pour penser que, bon, nous, avec la France, j'en ai fini. C'est trop facile et c'est léger. Ce n'est pas une réalité. Il faut se convaincre que ce n'est pas la bonne manière de voir les choses. Je pense que la France, d'abord, est un allié stratégique et historique avec lequel nous devrons partager beaucoup de choses parce que nous ne pouvons pas ne pas les partager avec eux. C'est l'histoire qui a voulu que ça soit ainsi et il faut voir ça en face, c'est une réalité. Maintenant, la France aussi, à son tour, doit savoir que le Mali est un pays qui évolue. Depuis 60 ans, nous évoluons. Les gens ont une façon de voir les choses. Il ne faut pas penser qu'on est imam, on n'est pas doté de la raison, on ne doit pas parler de son pays, il faut le rejeter, il faut non, 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 il ne faut pas avoir affaire avec ces islamistes, etc., etc. Cette façon de faire pour qui infantilise un peu un pays, ce n'est pas une bonne chose. Les Maliens se sentent un peu sous-estimés et agressés dans leur chair. Et nous sommes des alliés, il faut que la France nous prenne comme des alliés. Mais quand la France dicte et donne des ordres, parle sans même consulter le peuple malien, ça fait mal. Ce qui est discuté aujourd'hui, c'est l'accord de défense. Mais l'accord de défense, c'est un outil stratégique entre le Mali et la France. C'est connu, c'est réel. Nous ne pouvons pas aujourd'hui nous passer de certaines choses, c'est vrai. Mais ça doit se discuter. Ça doit être accepté. Les parlements doivent vraiment dire leur mot là-dessus pour que le peuple se sente concerné. Mais quand les choses se font en catimini, avec une certaine élite qui est là, ou bien les princes du jour, le peuple dans son ensemble n'a pas de rapport avec ça. On a l'impression que c'est vraiment, c'est pas un partenariat, mais c'est un dictat. Et ça, le peuple est hostile à cela, à ce 21e siècle. On ne peut pas continuer à traiter les peuples de cette manière. Il faut que la France accepte qu'on ne peut pas traiter les peuples de cette manière aujourd'hui. On ne peut pas demander aux gens d'être des démocrates, d'être des gens éveillés, des gens éduqués, et vouloir aussi les infantiliser. Ce n'est pas possible. Il faut que la France nous respecte comme on doit respecter la France. Il y a un président de transition, Assimi Goïta. L'avez-vous rencontré et comment pensez-vous que c'est l'homme de la situation pour mener le Mali vers une certaine pacification, en tout cas une paix durable? Écoutez, je peux vous affirmer que depuis qu'il est président confirmé comme étant le président de la transition, je ne l'ai pas encore rencontré. Pas encore. Je ne l'ai pas rencontré encore. Il est enfant de ce pays. Je le crois. S'il pense réellement qu'il peut faire quelque chose, et pourquoi ne pas le croire? Il y a une question qui interpelle plein de gens qui n'est pas directement liée au Mali, mais la situation en Afghanistan. Est-ce que beaucoup ont fait la comparaison Mali, Afghanistan, État failli? Est-ce que vous pourrez nous dire, selon vous, est-ce qu'il y a des choses comparables et faut-il comparer justement l'Afghanistan et le Mali? Ben écoutez, l'Afghanistan, c'est l'Afghanistan, le Mali, c'est le Mali. Il y a certainement, dans ce monde-là aujourd'hui, tous et partout, tout se ressemble, hein, pas seulement en Afghanistan ou ailleurs, dans tout le monde, dans ce monde connecté, planétaire, qui vit ensemble au jour le jour, et qui se voit à la minute ce qui se passe ailleurs. Donc, on ne peut pas dire que les choses ne peuvent pas se ressembler, mais je crois que la réalité de l'Afghanistan n'est pas forcément la réalité du Mali.
Imam Mahmoud Diko, je vous remercie d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes l'ancien président du Haut Conseil islamique du Mali. Merci et à très bientôt. Merci bien. Merci. Merci. Merci pour votre temps et je vous remercie. Ce serait toujours un plaisir d'échanger avec vous. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Au revoir.